Ça vous fera 17 pélous 50. C'est l'inverse du Monopoly et ces billets-là, on ne peut pas les thésauriser. Ils sont utilisables dans un réseau de 200 professionnels en Limousin. Le pélou, c'est une monnaie locale complémentaire qu'accepte cette librairie jeunesse indépendante. Et c'est pour... participer à un élan de solidarité qui regroupe aussi plusieurs commerçants. Ça nous... ce sont des valeurs que l'on partage, que l'on porte. Les pélous, c'est aussi des commerçants ou artisans locaux qui les réutilisent pour leur fourniture, par exemple. Le boulanger peut acheter sa farine chez un minotier qui va lui vendre de la farine locale aussi. Et, pour faire son... et donc, comme ça, l'argent qu'il a en vendant son pain, en pelour, il va pouvoir le redonner pour payer sa farine. Et ainsi de suite. C'est pour cela que le pélou ne peut pas enrichir des spéculateurs et il ne peut être utilisé que sur son petit territoire limousin. En moyenne, une monnaie locale complémentaire circule 5 fois plus que l'euro. Alors, vous voulez combien de pélou ? Eh bien, j'en voudrais 100. Vous avez 100 ? 100 pélou, bien sûr. Cette savonnerie est un des 5 points d'échange d'euros en pélou. Pour les achats sur place, on accepte aussi les pélou depuis plusieurs années. Nous avons à peu près aux alentours de 500 euros par semaine qui nous sont payés à nous, mais qui restent quand même, on est quand même une petite entreprise par rapport à d'autres plus grosses, ça doit être minime. Cela fait longtemps que Brigitte et son mari sont clients ici. Aujourd'hui, ils viennent d'adhérer au Chemin Limousin, l'association qui a créé les pélous. J'ai compris qu'on allait aider les commerçants locaux et à la période actuelle, je pense que c'est primordial. Avec la pandémie, le pélou a bien souffert, mais il a compté jusqu'à plus de 600 utilisateurs.